L'année 2022 est une année record de l'Alia. Ce sont 70 000 personnes qui ont immigré en Israël cette année, 95 pays au total. Un record depuis 23 ans, selon les données de l'agence juive. À titre de comparaison, en 2021, un peu plus de 28 000 jeunes, familles et seniors se sont installés en Israël. Et sans surprise, ce sont les Ukrainiens et les Russes qui ont été les plus nombreux à venir s'installer en Israël en 2022. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, Israël a lancé une grande opération d'immigration des Juifs en Israël, en coopération avec l'Agence juive, le ministère de l'Immigration et de l'Intégration et le ministère des Affaires étrangères. D'après les données recueillies jusqu'en décembre, ce sont plus de 37 000 Russes qui ont fait leur alia, plus de 14 000 Ukrainiens et près de 2 000 Biélorusses. Pour l'agence juive, cette vague historique d'Alia exprime la valeur de la garantie mutuelle au sein du peuple juif. Immigrer en Israël est d'une importance vitale pour le pays, tant sur le plan des valeurs que sur le plan pratique. Les dizaines de milliers d'immigrants qui sont venus ici contribuent à renforcer la société israélienne. Ils sont le moteur clé de la croissance de l'économie en Israël. Outre les nouveaux immigrants, 12 000 jeunes venus de 60 pays ont découvert Israël à travers des programmes de leadership et de bénévolat.